victoire pour ton équipe. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as pensé du match? Première victoire qui fait du bien parce que ça lance la saison, déjà d'une. Match un peu compliqué parce qu'on reçoit nos meilleurs ennemis, les Saint-Savinois. On savait que c'était compliqué. Par le fait que ce soit un derby, voilà, on va dire qu'on est encore en rodage, qu'il y a encore beaucoup de choses à régler. Et avoir une victoire dans ce contexte-là, c'est plutôt très encourageant. Donc est-ce que tu trouves que l'équipe a été à hauteur de tes attentes? Ouais, après les gars n'ont pas triché, hein, si on voyait comme on dit. Je trouve qu'on finit mieux le match que Saint-Savin, donc ça veut dire que le gros travail de prépa physique qu'on a fait en intersaison a été payé, quoi, tout simplement, hein, et paye déjà cette première journée. Après voilà, comme je te dis, il y a beaucoup de choses à revoir, hein, notamment sur la conquête et un peu dans la circulation, mais là je pense qu'on va vite régler ça. Prochain match à Rumilly, comment tu envisages ce déplacement? Rumilly s'annonce une grosse équipe aussi de la poule, hein, puisqu'ils se qualifient régulièrement chaque année. On a tendance à dire qu'on va quand même batailler, puisque fort de notre victoire aujourd'hui, on veut entre nous jouer tous les matchs pour les gagner. On sait qu'on va tomber sur une grosse équipe, hein, même si on les a reçus en amical, même si on a eu un gros score, on va jouer une toute autre équipe. On sait que le combat va être rude, les affaires sont rudes. Donc nous, on va se préparer à un combat et essayer d'avoir un meilleur résultat, tout simplement. Merci Mick pour cette première interview et rendez-vous dimanche à Rumilly. Au stade des Grands Jets, sans problème. Merci. Bye. L'objectif fixé par les coachs a été rempli. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier derby? L'objectif rempli, puisqu'il y a la victoire à la clé. Après, ça a été un match laborieux, difficile. Et donc, on ne s'est pas mis complètement dans le match. Et vu le score, 15-6, ça a été un peu compliqué à la fin. D'accord. Et du coup, quelles leçons à tirer de cette première rencontre? Première rencontre, déjà physiquement, on a bien travaillé pendant 2 mois et demi. Donc, ça a permis de. Fin de match, on était mieux qu'eux. Par contre, trop de déchets dans les conquêtes, sur les trois quarts, sur l'attaque de ligne et tout. Donc, c'est des choses qu'il va falloir vite rectifier cette semaine pour le week-end prochain. Donc, justement, en parlant du week-end prochain déplacement à Rumilly, l'objectif est de rapporter la victoire. Comment tu sens le groupe après ce premier match? Ça fait du bien au moral de gagner ce premier match, surtout un derby. Après, on sait que Rumi est une grosse équipe, très joueuse, donc ça va être très difficile chez eux de jouer. Mais bon, après, avec le groupe qu'on a, je pense qu'on peut aller chercher quelque chose. Et de toute façon, tous les matchs sont gagnables, donc on va là-bas pour gagner. Pour objectif des 3 blocs, essayer de gagner ces 3 matchs. Quoi. Ok Yannick, merci beaucoup pour cette interview et rendez-vous à dimanche à Rumi. Merci, ciao.